Créer le consensus autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Voilà le souhait du MONASCO, le mouvement national de soutien à la candidature unique, et du ME 2020, le mouvement des maires pour l'émergence 2020. Les membres de ces deux mouvements ont été reçus ce mercredi par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est tenté de travailler. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous sillonnez sur tout le territoire ivoirien, les réalités sont là, point n'est besoin de le dire, mais on le constate. Et donc avec cet élan, il est bon que les conditions soient créées pour qu'il aille jusqu'en 2020 achever les projets, les chantiers qui sont en cours, et pour que les chantiers en projet puissent voir jour et être achevés jusqu'en 2020 pour l'émergence. Il s'agit pour nous donc à terme de faire en sorte que la campagne présidentielle soit une fête et que le président soit élu avec un suffrage au-dessus de 70% pour éviter toute contestation et faire en sorte que la paix puisse s'enraciner dans le pays. Au cours des échanges, le ministre d'État a été fait membre d'honneur du MONASCO et les deux mouvements n'entendent pas baisser les bras jusqu'à l'aboutissement de leur combat.